Dis à quelqu'un côté de toi, tu dois aller à l'autre bord. Je vais vous expliquer. Et Bishop, je vais dire aussi. Ce que je ressens dans cette église, c'est qu'il y a une autre étape que Dieu prépare à l'église. Ce que je ressens dans l'église, ça c'est la salle des petits-enfants. C'est une église de 10 000 membres que Dieu va donner au nom de Jésus de Nazareth. C'est une église et il y aura au moins 15 bus minimum qui vont transporter les gens pour venir dans l'église. Une église où il y aura un hôtel qui va être construit et les gens vont y habiter pour la gloire de Dieu. Une église où il y aura un centre médical pour soigner les gens à la gloire de Dieu. Une église où il y aura une université internationale pour la gloire de Dieu. Une église, il y aura des élites, les gens ici qui sont là, chefs d'entreprise, députés, sénateurs, ministres, seront dans l'église. Une église que Dieu va qualifier, Dieu prépare, Dieu prépare, Dieu prépare cette église-là, des journalistes, des gens importants de la société. Dieu prépare une église, parce que c'est comme une femme qui était enceinte. Elle a fait 6 mois, 2 mois, c'était difficile, 3 mois, c'était difficile, 4 mois, c'était difficile, 6 mois, c'était difficile, 7 mois, c'était difficile. Elle est arrivée à son 9e mois. 9e mois de la promesse. Et cette promesse, maintenant, l'enfant doit naître. Une église où le virage nouveau. Vous avez chanté les chants des groupes de louanges. Vous avez chanté les chants des adorateurs, des instruments de Dieu. Maintenant, Dieu va lever des hommes qui vont chanter pour que les nations puissent louer l'Éternel. C'est à vous d'être inspiré de louanges. C'est à vous d'être inspiré d'adoration. C'est à vous de pouvoir écrire les chansons. C'est à vous, pendant que vous chanterez, pendant que vous chantez, pendant que vous louez, pendant que vous priez, les murs de Jéricho vont tomber. Une église, mes chers amis, une église vivante, une église qui prend sa place, une église qui ne dort pas, une église qui ne sommeille pas, une église qui n'est plus enterrée, une église qui n'est pas dans un coin isolé, mais une église là où les nations viendront dans l'église. Ça veut dire quoi? Tu attends depuis des années que quelque chose se passe. Tu sais que quelque chose va se passer. Tu sens l'odeur de la chose. Tu sens la cuisine de la chose. Tu sens que ça sent bon. Tu sens que ça arrive. Mais le Seigneur te dit, tu as senti l'odeur. Tu as ressenti autour de toi. Tu as senti quelque chose qui n'est pas loin. Maintenant, ce que tu as senti va être devant toi. Va être révélé devant toi. Va se manifester devant toi. T'es donné aujourd'hui. Ce que tu as senti est manifesté aujourd'hui. Rican, tu savais que tu dois voyager. Tu savais que tu dois prendre ta place. Tu savais que tu dois avoir ta maison. Tu savais que tu allais avoir ta voiture. Tu savais que quelque chose est pour toi. Tu savais que tu as une place qu'on t'a volée qui doit te restituer. Tu savais que ton mariage est arrivé. Tu savais que ta destinée est pour toi. Tu savais que ta voiture est pour toi. Tu savais que ta bénédiction est là. Mais tu attendais quand est-ce que ça va se manifester. Dieu dit, les écluses de ciel sont ouvertes pour toi. Prends et ramasse, c'est pour toi. Soria. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hira balarai. Hira yayese. Je vais vous dire, dans le livre de 2 Rois chapitre 2, c'est mon verset de ce soir. Il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose pour toi. Il est écrit 2 chapitre 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. Le verset 11, comme il continuait à marcher, si la technique peut nous donner ce verset, comme il continuait à marcher, il marchait, camarade. Ça veut dire qu'il y a des gens, à un moment donné, tu sais que tu dois marcher. Mais pour le moment, tu es assis, tu es bloqué, et c'est ton cœur que tu sens, au fond de ton esprit que tu dois marcher. Je dis, tu ne dois pas seulement marcher, tu vas courir. Tu vas courir.
Mayon dit bizet. Tu vas courir. Tu vas courir. Oh my God. Oula. Hein? Tu vas courir pourquoi? La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront. Je vais vous dire une chose, ça fait des années que tu as prié, ça fait des années que tu as cherché, ça fait des années que tu as demandé. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, il dit, voici je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, celui qui entend ma voix qui ouvre, je vais entrer. Or, il nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, aïe, il dit demandez et l'on va vous donner, cherchez. Vous trouverez, aïe aïe aïe, demandez, frappez, on va vous ouvrir. Donc il y a un moment donné, tu frappes, tu cherches des moyens, tu cherches du travail, tu cherches des finances, tu cherches la joie, tu cherches la paix, tu cherches la foi, tu veux voir des grandes choses et ça prend du temps pour arriver. Mais Apocalypse 3, verset 20 dit, tu ne vas plus chercher, c'est Jésus qui va venir frapper à la porte de ton cœur. Je vous ai dit qu'on va passer à une autre étape. L'autre étape, c'est que tu passes de celui qui prie pour chercher à celui qui a l'exaucement qui vient remplir devant ta porte. Tu as demandé à Dieu des choses. Mais maintenant, Dieu dit ce que tu as demandé, que tu as même oublié. Je viens devant toi avec. Nous tous on prie tous les matins. Seigneur, je veux quelque chose. Le Seigneur te dit, j'ai vu tes prières. J'ai vu tes pleurs. J'ai entendu tes cris. Mais maintenant, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que je sais, ce que j'ai préparé, ce que tu n'as même pas demandé, ce que tu n'as même pas demandé, de la même façon que tu n'as pas demandé à naître, tu n'as pas demandé à vivre, mais Dieu a décidé de te créer vivant, de te faire exister. Ça veut dire quoi? Ce que tu n'as pas demandé, ça vient pour toi. Voici les miracles qui accompagneront. Je dis, il y a des choses qui arrivent pour toi. Il y a des choses qui arrivent pour toi. Il y a des jaloux qui essaient de se mettre leurs mains dedans. Mais quand Dieu envoie pour toi, personne ne peut l'arrêter. Quand Dieu programme pour toi, quand Dieu programme pour toi, quand Dieu programme pour toi, personne ne peut arrêter ce que Dieu a programmé pour toi. Personne ne peut freiner ce que Dieu a manifesté. Ah, ton miracle arrive pour toi. Il dit, regarde dans les nations, tes enfants sont portés à dos pour toi. Ta maison arrive, ton voyage arrive, ton travail arrive. À un moment donné, les gens vont s'arrêter. Ils vont dire, dans ce service, il manque un ingénieur. On envoie les diplômes, CV, on envoie les demandes de travail. À un moment donné, ton CV va attirer l'attention du directeur. Il va dire, oui, ce dossier-là, je le veux. Mais derrière le dossier, il y a un visage, il y a un nom, il y a une identité, il y a un élu de Dieu, il y a un choisi de Dieu. Dieu a arrêté ça pour toi. Il est écrit 2 Rois chapitre 2, le verset 11. Technique, please, donnez-moi ce verset. Qu'est-ce qu'elle dit? 2 Rois chapitre 2, verset 11. Ouais, Atalia, c'est pas aujourd'hui. Même si c'est un enfant qu'on veut voler, détruire et casser sa destinée. Camarade, quand même la main de Dieu est sur toi là, c'est ça qui fait que les gens sont jaloux derrière toi. Quand tu n'as pas de valeur, personne ne s'occupe de toi. Mais quand tu as de la valeur, on est jaloux. Quand tu as de la valeur, on n'aime pas. Quand tu as de la valeur, on t'attaque. Mais le jour où tu vis des attaques et des persécutions, loue Dieu parce que c'est la preuve que Dieu t'a choisi. Quelque chose se passe. Et je vais vous dire, les cieux sont ouverts. Attendez d'abord, ça vient, ce n'est pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé. Il dit, comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu. Un char de feu et des cheveux en feu les séparaient l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criant, mon père,
char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Mais la suite dit, la seule chose, il ne voyait pas Élie, mais il a vu quelque chose qu'il attend depuis des années. Son manteau. Oh, écoute-moi bien. Il n'a plus vu Élie, mais il a vu le manteau qu'il a demandé. Oh, ça veut dire qu'à un moment donné, tu pries, tu demandes à Dieu des choses. Et tout à coup, tu as l'impression que la chose n'est plus là, Dieu t'a oublié. Mais ce que tu ne sais pas, au-delà de ta demande, plus que ta demande, Dieu a fait son exaucement devant toi. Et lorsqu'il a vu le manteau, la Bible dit, il s'est abaissé et il a ramassé. My God. Et je vais te dire encore ce soir, écoute-moi bien, c'est l'onction que tu as besoin, la clé de ta maison que tu as besoin, tombe devant toi, tu fais quoi? Tu... Non, je n'ai pas encore compris. Je dis, si ton miracle, on te dit c'est ton miracle, ta guérison est tombée devant toi, c'est à ta disposition, c'est sous tes yeux. Écoute-moi bien, c'est sous tes yeux, ton miracle est sous tes yeux, ton visa est sous tes yeux, ton passeport est sous tes yeux, ton voyage est sous tes yeux, ton argent est sous tes yeux, ton diplôme est sous tes yeux. Tu fais quoi? Rahaya. Oh yeah. Ça fait 10 ans tu attends, 15 ans tu attends, 20 ans tu attends, tu as prié, tu as gêné, tu as intercédé, tu as demandé, tu as eu imposition de main, imposition même des pieds. Oh. Tu as eu tout. Maintenant ce que tu attends, le vêtement de l'onction là, ça tombe sur tes yeux. Qu'est-ce que tu fais? 1, 2, 3. Tu arrives dans un centre commercial. Tu as des enfants à la maison. Ils n'ont pas mangé. Une grande famille. Tu vas avec un chariot. Tu vas acheter à manger. Et aujourd'hui, on te dit non. Tout ce que tu vois t'appartient. Rempli au maximum. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? En plus, dans ce centre commercial, à la maison, les gens aiment le lait. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des tomates et puis des aubergines. Tu fais quoi? Il y a du poisson, il y a du poulet. Tu fais quoi? Sans oublier, quand ils finissent de manger, les bébés, là, ils font aux toilettes, ça fait popo. Donc, tu as besoin de couches. Les habits sont là. Tu fais quoi? Aïe! Quand tu finis de ramasser, il y a l'huile, il y a patate douce. Tu fais quoi? C'est pas encore fini. Je dis, ça fait des années que tu attends quelque chose, personne ne sait pourquoi. Et tu arrives au rendez-vous. Dieu dit, je me suis arrêté pour toi. Je te donne maintenant accès à la chose. Qu'est-ce que tu fais? Ce soir, je vais te dire, la Bible nous dit que lorsque Jésus est sorti de l'eau, Bishop, Jésus est sorti de l'eau, quelque chose s'est passé. Il y a eu la colombe qui était sur sa tête. La colombe était sur sa tête arrêtée. Lorsque la colombe s'arrête pour pointer que c'est sur toi que Dieu a choisi. Mais mieux, l'arrêt de la colombe, le don spirituel descend, l'autorité descend, l'onction descend, le miracle descend, la puissance descend, la gloire de Dieu descend, la voix de Dieu descend, le manteau de Dieu descend. Et qu'est-ce que tu fais? Tu... Quelque chose que tu n'avais pas la taille pour aller chercher. Quelque chose que tu n'avais pas l'argent pour aller chercher. Quelque chose que tu n'avais pas les moyens pour aller chercher. Et ce qui se passe, Élisée n'avait pas la possibilité d'avoir cette onction. Mais cette onction est venue devant lui. Oh. Prépare ta main, prépare ton vase, prépare ton sac aujourd'hui. Alléluia. Ce que vous ne savez pas, l'église est comme un espace, écoute-moi bien. Tu es venu chez toi, c'est dur, c'est sec. Mais tu sais qu'en venant à l'église, tu vas repartir avec quelque chose pour ta maison.
le monde, des gens rient. Tout ce que tu as en vol, tout ce que tu as en pique. Mais dans le monde surnaturel de Dieu, quand tu rencontres dans le monde surnaturel de Dieu, je vais te dire mieux. Si on a volé ta santé, ce soir, il y aura une restitution dans le miracle de Dieu pour toi. Je vais aussi te dire la vérité. Si on avait volé tes finances, il y avait la multiplication financière pour toi. Si on avait éteint le don spirituel sur toi, si on avait éteint le don de miracle sur toi, si on avait freiné, écoute-moi bien, le don de foi de Dieu dans ta vie, ce soir, je sais que l'appel de Dieu est sur ta vie. Je sais que Dieu t'a appelé depuis ton enfance à faire son œuvre. Je sais qu'il y a des gens qui t'ont écrasé par jalousie. Mais je vais te dire mieux, à partir de ce soir, Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie. Il a annulé ton nom dans le lien de la mort et t'a ressuscité dans le lien de la vie. Chaque fin d'année, il y a un événement de malheur qui arrive dans ta vie. Chaque fin d'année, il y a une attaque de sorcellerie qui arrive dans ta vie. Chaque fin d'année, tu es toujours en deuil dans ta vie. À partir de ce soir, à la place de la mort, c'est la vie en abondance. Oui. Ouais. C'est comme si ta vie a été rechargée, ta batterie a été rechargée, ta vie a été restaurée, ta vie a été bénie, ta vie a été libérée, ta vie a été délivrée. Et je m'adresse à quelqu'un ici. Chaque fois que tu te couches, c'est comme quelque chose qui veut étouffer ton cou, quelque chose qui te serre pour que ton cœur s'arrête avec un arrêt cardiaque. J'annule cela par la puissance du Saint-Esprit. J'annule cela par la puissance du Saint-Esprit. Je brise ces œuvres de destruction par la puissance du Saint-Esprit. Et je vais te dire mieux. Je vais te dire mieux. Le manteau que tu as ramassé. Est-ce que tu as le manteau ramassé dans ta main? Fais ta main comme ça avec moi. Le manteau que tu as ramassé. La Bible dit, Élie arrive devant le Jourdain. C'est avec ce manteau, c'est avec le sceau de Dieu sur toi. C'est la puissance de Dieu sur ta vie. Mais chers amis, je vais encore te dire mieux. Ce que tu as ramassé dans les pleurs, tu as ramassé dans le combat. Ce que tu as ramassé dans les luttes, ce que tu as ramassé dans les larmes. Parce que lorsque les enfants du prophète se moquaient d'Élisée, il fallait tenir le coup. Il fallait encore garder son calme. Lorsque pendant des années, tu as attaqué de tous bords, tu es méprisé de partout, tu es indexé, risé de tout le monde. Lorsque tu n'arrives pas à passer sans la moquerie des hommes, lorsque tu étais le sujet de diffamation de X et Y, lorsque tu passais de façon ignorante, lorsque d'autres pensaient que tu n'existais même pas, lorsque tu étais comme une génération sacrifiée, le Seigneur te dit, j'ai vu le combat que tu as mené. J'ai vu que ça a été cher pour toi et ton enfant. J'ai vu ces attaques qui ont fatigué ta vie. J'ai vu des années de lutte sans cesse que tu as supportées sur tes épaules. Mais ce soir, voici la puissance de Dieu sur ta vie. Voici, je t'ai choisi et je t'ai mis dans ta bouche des paroles prophétiques pour ma gloire. Tu ouvriras la bouche et l'eau
la mer rouge sera fendue en deux. Tu seras en train de prier et celui qui est lié et en destruction, en souffrance sera guéri. Ne sais-tu pas que je fais de toi le dépôt de ma puissance? Voici venu le moment. Voici venu le moment. Voici venu le moment du Saint-Esprit. Voici venu le moment. Voici venu le moment. Oui, Dieu lève son armée. Le manteau que tu as ramassé, ce manteau, ce qu'on a lancé comme la boue sur toi, ce manteau est le manteau de sacrificateur. Ce manteau est le manteau de serviteur de Dieu. Ce manteau est le manteau du prophète des nations. Ce manteau est le manteau de ce directeur des peuples. Ce manteau est le manteau de loin de l'Éternel. Je veux te dire, pleure pas. Ton enfant va servir Dieu. Ton enfant va servir Jésus de Nazareth. Ton enfant va servir Jésus de Nazareth. Je sais que tes entrailles souffrent parce que tu en as porté des choses. Mais ne sais-tu pas que Dieu t'a appelé pour son œuvre? Ne sais-tu pas que le Seigneur t'a appelé pour son œuvre? Ne sais-tu pas que l'Esprit de Dieu est sur toi pour faire déverser la gloire de Dieu? Il y aura des gens qui vont prier devant les autorités de cette nation. Le Seigneur prépare une armée puissante pour faire le tour de l'Afrique et des peuples lointains pour annoncer la puissance de Dieu. Car le manteau que Dieu t'a donné, aucune jalousie ne pourra l'atteindre. Le manteau que Dieu t'a donné, aucune attaque ne pourra la freiner. Hey! Tu es ici. Tu es ici. Tu es ici. On avait programmé ta mort. Mais ce soir, le manteau de vie est sur toi. Je voudrais aussi te dire, voici la parole puissante de Dieu enflammée sur ta bouche. Quelqu'un est ici, maintenant. Maintenant, on voulait t'étouffer, on voulait t'écraser. Mais le Seigneur dit, je veux t'élever pour ma gloire. Bizain de marron. J'ai mis mon onction de puissance sur ta vie. Le Saint-Esprit est en train de préparer son armée pour le réveil des nations. Je compte jusqu'à toi. Tu ne pourras même plus tenir là où tu es. La force du Saint-Esprit t'amène ici. Le Saint-Esprit vient te saisir et t'amène devant. Cours et approche vite. Je compte jusqu'à trois là où tu es. Sors de la rangée, approche. Je vais prier pour toi. Elle n'est pas la seule, tu es ici. Le Seigneur veut saisir tes pieds pour proclamer son œuvre. Écoute-moi bien. Dieu lève son armée. Et l'armée est constituée d'élites de feu. Dépêche-toi. Tu ne penses jouer à cache-cache. Le Saint-Esprit va t'emmener ici. Le Saint-Esprit est maître de cet endroit. Je te le dis. Et le rayonnement de Dieu va toucher au-delà de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur t'a dit, je t'ai mis à part depuis le sein de ta mère.
Et l'onction de Dieu qui est sur toi, tu le savais depuis dans ton enfance qu'un jour viendra où le Seigneur va t'utiliser puissamment. Aujourd'hui, quelque chose a commencé. Sors de là où tu es. Obéis. Ne dis pas, je n'ai pas de moyens. Je ne dis pas, je n'ai pas la force. Ne dis pas, je ne sais pas comment faire. Mais obéis. 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 Tu es au fond là-bas. Obéis. Il faut les aider, il faut les emmener ici. Je dis, c'est normal. À un moment donné, toi qui es en haut là-bas, toi qui es dans l'escalier en haut là-bas, à l'étage, le Saint-Esprit a besoin de toi là où tu es. Tu vas lever la main et tu verras la gloire de Dieu, une visitation puissante. Je te le dis, la vérité. Tu es en haut là-bas, le Saint-Esprit a besoin de toi. Dans toute la salle de l'église, dépêchez-vous. Il faut les emmener ici. Aidez-les. Le monde de l'entreprise, le monde de la société civile, le monde de la technologie, la jeunesse de la Côte d'Ivoire, le Saint-Esprit. Écoute-moi bien, frère. Écoute-moi bien, frère. Le Seigneur met sa main sur toi pour te donner le sceau de sa puissance. Oui, oui, quelque chose a commencé. Quelque chose a commencé. J'ai dit, Rima on du bisin de bruit. Quelque chose a commencé. Quelque chose a commencé. Dépêche-toi. Quelqu'un va commencer à courir ici. Parce que le Seigneur dit, je veux que tu cours dans les nations. Je veux que tu prépares tes gens pour faire le tour des nations. Car mon esprit est sur toi. 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 Dépêche-toi ici. Mon esprit est sur toi. Mon esprit est sur toi. Mon esprit est sur toi. Je voudrais dire à quelqu'un ici, même pas, je sais qui tu es. Je sais que tu souffres énormément au fond de toi. Je sais que le fardeau de ta famille est sur toi. Par moments, tu te culpabilises. Mais le Seigneur te dit, je veux te donner mon autorité. Le Saint-Esprit te parle que son autorité est pour toi. Pour que les liens de malédiction soient brisés.